Et bonsoir. On se retrouve avec Wade encore une fois. Message. Hier soir, il s'est passé un truc. Rien de fou, hein. Mais j'ai vu que mon dude loader était à la fourrière. Du coup, je suis allé le récupérer. C'était les silvers qu'il avait. Et on a récupéré un dude loader. Il dit ciao. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Yep. Du coup, au niveau des annonces, hein, si vous avez suivi, j'ai pas vu ça. Petite Giger LS. Monarchie là sur les petites annonces, hein. Je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Et le roi qui invite à voter le thé. Oui, il ne votera pas le thé.
Ouais, je suis en train de réfléchir, il y a la Deviant au... chez Cars là. Ah. Peut-être vendre le XLS. Hein. De Excel si mais... c'est énorme. Bon, le son du XLS et je m'en sers pas. Pas mal quand même ce XLS. Oh.
plus grand comme il est quand même, concessionnaire. Je sais que je l'avais payé 40 000. Le parc il est pas sorti un entier. Trente et un mille. Des viandes, je crois que elle était à 34. Je devrais pouvoir faire un truc pas dégueu. Quelqu'un? Quelqu'un?
Tes services, Hello, tes services, oui. Je donne suite à votre appel. Malheureusement, j'étais en pleine fermeture du parc. Ah, d'accord. Éventuellement, je peux vous donner des infos. Par contre, je pourrais pas procéder à la vente parce que je suis un peu pas en l'état. D'accord. Je m'excuse vraiment, mais ça va être problématique. Non, mais y a pas de souci. Bah écoutez, je repasserai un autre soir. Y a pas de problème. Quand même déplacé jusqu'à Paléto. Je suis vraiment navré, monsieur. Y a pas de souci. N'inquiétez pas. La santé bonne avant soirée. tout. N'hésitez pas. Ouais, la santé avant tout, en effet. N'hésitez pas à repasser dans quelques jours, voire même demain. Il est possible que j'ai des collègues qui prennent le service. Sinon, vous me reverrez au plus tard, allez lundi ou plutôt dimanche soir. D'accord, mais y a pas de problème. Passez une bonne soirée, bon courage à vous. De même, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Le destin, ça, c'est qu'il fallait pas que je l'achète. Des biantes. Rapide de passer par l'autre côté.
Même s'il a pelé Eustache. Et salut. Et salut. Oh, c'est le voisin. Comment allez-vous? Et oui, c'est le voisin. Ça va et toi? Bah ça va, ça va. Ah tiens, je regarde ça. Je vais me changer. Bon, et Jacob. Bonsoir. Pas qui c'est. Oh, on va être trop nombreux ce soir. J'ai rien. Allô? Côté service, j'ai un collègue qui a pris la relève, si jamais vous pouvez voir avec lui du coup. Ah bah c'est pas grave, je repasserai demain au pire, je viens de prendre mon service au LRM là du coup, ça fait le chemin c'était opposé. Ouais je comprends mais c'était pour prévenir au cas où, voilà. Ok c'est gentil, merci. Vous, vive le roi. Vive le roi, bon courage. Merci à vous aussi. Ah ouais, je me retape pas la route là. Et wait, prise de service. Et votre prise de service. Est-ce qu'on va
quoi faire. J'ai la flemme de farmer. Ça c'est clairement pas un grade de décesser rester indéfiniment. Ouais. Je vais sortir ma tablette moi aussi du coup. Et là on parle quand même d'un grade, t'as pas d'accès à tas et autres hein, donc Oui après oui, oui. Non moi je c'est pas ça déconnant de. C'est un peu comme un SMS, hein. Si tu transcris les grades, celui de grade de médecin qui est un grade normal quand t'as fait ta formation. C'est l'équivalent chef de quart. Hein. T'avais interne qui était marin pêcheur et mousse qui correspond à externe. Tu sais ce que d'ailleurs Seven. Oui. T'avais vu pour une formation poids lourd du coup. Il l'a fait. Oui, oui, je l'ai fait moi déjà. Ok, ça marche. Du coup, il faudra que Wade oui, voit. Enfin, je sais pas si tu as regardé pour en faire une. Non, bah, il voulait la faire le même sort que Seven, mais moi j'étais mousse encore, donc du coup j'avais dit, bah, laisse tomber, je verrai avec les patrons quand même. J'en fasse pas pour rien, quoi. Bah, je vais voir avec Harry. Vois ouais. Si c'est pas. C'est pas quelqu'un qui est habilité à faire la formation, parce qu'en profiter, donc tu partes en mer, ce serait fait. Ouais. Je demande à Harry parce qu'il excusez-moi, m'a passé j'ai un appel pour des pokés. On va faire ça en même temps. Pardon. On va aller livrer des POC et je lui ai demandé si il me dit que c'est bon. Ça marche. C'était c'est Jacques qui l'avait fait à Seven. Ouais. Bon après que ce soit Jacques ou Harry. Hein. Oui c'est pareil. C'est toujours pareil. Oui. Je vais juste chercher un bison pour préparer le bratons. Je viens de chez Cars là, il y avait le parc qui était à moitié sorti. Je pense que le mec il a eu un accident parce que j'ai fait un appel, il me dit oh, je peux pas venir. Je oh, suis. je sais pas où il était mais apparemment il avait pas l'air bien. Ah oui en plus c'est pas les trucs pas... Oui les... c'est ça. De SMS. Ouais, bah... Je reviens, je cherche un bisou. Tu viens juste avec moi, Jacob, pour la livraison, comme ça on parle à Harry. Ouais. Du projet. En même temps. Et du coup, oui. J'ai la réponse pour ta formation, tu peux venir en même temps, si jamais. Ouais, ça marche. Bon, ça sera fait. Il en veut combien, Jean? 30. Luisant 10 en plus, vas-y. Tu veux que j'en prenne un ou t'as assez de place? Non, je n'ai pas assez de place, j'en ai pris 20. C'est des pokés? Oui. J'en ai pris 20 aussi. Hop là. Allez, t'es cool. Vous avez le tout? Oui. Ouais. On est à 40. Ok. Il va pas lécher à gauche le bison, attention. Mais là, j'avoue que. On n'a pas trop équilibré les profs. J'avoue, ça m'a abusé. Ouais, c'est bon. Mec. Je vais me mettre bien au milieu de la moquette, c'est bon. On verra, il m'a dit que Jacques est chez Cars du coup là pour l'instant. Ah oui. Et du coup lui là il a un petit peu la flemme. Mais je pense que si on vient directement avec toi, il va peut-être se sortir les doigts. Je sais pas, je sais que tu m'avais fait ma formation. Il m'avait dit qu'il n'aime pas aller faire une formation très lourde. Ouais on verra.
Après, s'il a quelqu'un d'autre, il est peut-être Anas ou pas. Il peut peut-être le faire aussi. Je sais pas, hein. Elle est chef pécano, hein, elle est pas apprentie. Non, elle est directeur. En plus, elle est directrice, bah allez. Oh, bah voilà, bravo Jacob, hein. Hein? Ton gros cul, là. Oh, ta gueule. Ah bah c'est bon, il est là. Il est pas trop précaire. En plus, on peut avoir une réparation. Monsieur, bonsoir. Et bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Allez, bon niveau. Attends, donne-moi l'époque. Tu pourras pas tout prendre, t'as pas ton sac. Prête-moi ton sac sinon. Toi, donne-moi un sac que t'as dans ton sac. Ah, mais si, c'est bon. Ouais, je suis Jacques. Mon sac dans ton sac. Et tu sortir déjà le camion. Yes. Déjà, tu le conduis rapide, un peu. Ouais, il se dirige. Il y a des clients. Tu veux qu'on aille où du coup? Bah, on va aller chercher. Allez. Après, celui-là, ça va, je le connais. Il était déjà au LSRC quand j'y étais. Oui, on m'a dit ça, t'étais au LSRC. Ouais, j'étais directeur. Avec Charen. Charen était ma patronne. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Kirk. Celui-là, le camion là, il est impressionnant la première fois que tu le conduis. Je sais pas si ça te l'a fait, oui. Mais il avance et il a pas de frein. Il a pas de frein, c'est surtout ça, il a pas de frein. C'est pour ça qu'on peut être celui-là, c'est plus chiant. Eh, petite question, les trous du cul, l'autre du boutier là, ils sont pas venus nous faire chier là. Bon, attends, tu peux répéter? Donc, ce que tu as fait, les trous du cul du bouquet là, ils sont parvenus nous faire chier. Tracteur sorti. Non, pas depuis la dernière fois avec Coco. Ok. On va l'attacher. Je suis juste off radio, temps de discuter avec Harry. Je vais juste couper la radio. Ok, ça marche. Je me mets off radio, moi, le temps de la formation. Yep. Hop, c'est bon. Tu sais que derrière on a un genre d'encoche ouais. Pour rentrer la petite bite du camion. Donc, ouais. Enfin, de la remise. Et donc, bah, je te laisse faire le nécessaire pour faire rentrer ce petit kiki dans la fente. C'est vrai que votre parking il est mal foutu pour ça. Ouais. Voilà. Je crois que tu es bon. Voilà, nickel. Alors, tu vois le. Comment dire, ton petit bouton sur ton volant pour allumer les phares. Ouais. Si t'appuies longtemps dessus, c'est pour détacher la marque. Regardez ça. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, bah, tu avances et tu recules, sinon je t'en. Voilà. Et oui. Alors maintenant, allez. Attends, je te mets. Voilà, allez là. Alors, attention, il faut que tu les prennes à la charge. Et les véhicules s'en foutent de ta remorque. Les concitoyens, d'accord. Donc quand tu vois quelqu'un qui arrive à fond,
évite d'y aller, laisse-le passer, et puis bon. En sachant que les remorques sont assez fragiles. Pas de manœuvre pour sortir. Oh, il n'y avait pas dit que devant la porte aussi, hein. Pif. C'est pas faux. Les manœuvres, ça va être déjà bien géré, dis donc. Ça va. Ça va être une formalité. Peut-être qu'il passe. Ah bah voilà, ton collègue te laisse passer, il est gentil. Il est mignon. Allez, c'est bon. Donc les gens, ils s'en foutent de ma remorque alors. Alors oui, quand lui, il a pas envie d'avancer. Bah oui, parce que pour lui, il y a un train qui doit passer là, dans ses yeux. Ah oui, d'accord. Et tranquille, je peux lui de la retourner quand même. Bah, faut y aller pour la retourner. Ah ouais? Faut pas me dire ça, moi. Alors j'ai pas pris de terrain sur moi, alors on va se calmer. Connais-tu les limitations de vitesse? Ouais. Alors c'est combien? C'est 90. Parfait. Et sur autoroute? Et sur autoroute, je sais plus, je crois que c'était 150 à l'époque. Hein. C'est 120. C'est 120 pour les camions. Ah, pour les camions, 100 mètres. Voilà, et c'est 90, c'est pour les camions aussi. Pour les voitures, c'est 107. C'est 107 pour les voitures? Oui, monsieur Pastou avait changé les balles. D'accord. Mais pourquoi 107? C'est une marque de pastis? Ça doit être ça, je pense. D'accord. J'ai vu derrière. Elle a cette chance de temps, voilà. Elle te voit, elle voit ton tracteur, mais elle voit pas la remorque. Ça. Bon, bah lui. Il faut pas grand chose. Lui, c'est la famille Abassou, ça. C'est ça. Ça se manie mieux que ce que je pensais, quand même. Alors, oui. Avec ce tracteur-là. Avec d'accord. L'autre, c'est un peu plus dur, en fait. Avec celui qu'on a en wire. Ouais, on va dire que on peut tourner un peu moins fort. Alors, je vais me poser. Avance encore un peu plus. Voilà, je suis ici. Je vais me positionner quelque part et tu vas me rejoindre en marche arrière. Ok, ça marche. Et bien, bien fait. Bon, en deux temps, je l'ai fait quand même. Oui, oui, mais c'est normal. Ça, c'est l'habitude à prendre. Bah alors, direction NSRC. Allez. Alors, quand tu arrives à NSRC, tu ne rentreras pas face avant. Il faut que tu rentres au camion en arrière. Ok, ça marche. Et tu te mettras, t'entendras de sortir travailler au NSRC. Au niveau du parking de la voiture. Ouais, ok. À marche arrière, genre jusque là-bas. En marche arrière.
Ah oui, celui-là il a. Il, tu vois, là je sais pas s'il a touché, mais je crois pas qu'il ait touché. Il a coupé du cul. Putain. T'aurais mis un bout de raisin, il a fait du vin. Ouais. Bah, c'est juste ici, non? Non, c'est bon, y'a qu'un autre. C'est bah, l'autre. La rue parallèle, on va passer. On va passer pareil pour les poteurs. Ça frotte. Putain, ouais. Il m'a pas vu. Ça arrive. Oui, oui, bah, ça arrive. Bon, c'est pas. Il arrive à repartir. Ouais. C'est bon. Il passera au LSRC. Bon, une fois, on travaillera. Ouais. Tu vas pas chez les durs. C'est bon, je crois que la roue de l'archi, ça grappe. Ouais, j'ai pas compris là ce qui se passait avec. Putain, ça me fait peur aussi ce point. J'ai pas compris ce qui se passait là, les annonces, tout ça là. C'est, oh, c'est oh, une galère qu'il y a eu. Guéguerre, on dirait. Ouais. Alors, je te laisse faire la marche arrière tranquillement. N'hésite pas à te rendre deux ou trois fois si tu le sens pas. Gaffe, tu pars un peu sur la droite là. Voilà. Parfait. Encore, oui, oui. Alors, je disais parking, c'est là où vont sortir les voitures, à part que vous prenez les clés. Mais parfait, si t'arrives à faire ça. Ah, oui, d'accord, je croyais que tu voulais la. Oui, là oui. Où, parce que ah, nous, on se garait derrière en fait quand on rentrait pas la voiture. Oui, ah, d'accord. Mais là où, ah, tiens, oui. Là où si je vais faire en fait, ça, on se garait. Bah, oui, tiens, c'est encore mieux ce que tu fais. Alors, je t'envoie ici simplement, c'est que ces camions-là sont très fragiles. Donc, c'est révision obligatoire après votre fin de service. D'accord. Ta remorque. Du camion. Ok. Donc, on va. J'ai révisé ça. Yes. Ah tiens, tu peux réviser la remorque, s'il te plaît. Ouais. Attends, pour le plein, je vais le faire. Vas-y, monte avec moi. Allez. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'au. Comment dire, jusqu'au LRM avec ce qu'il nous reste comme essence. Ah bah d'accord, elle s'est décrochée. Je t'ai raccroché. J'aurais pas osé la mettre à l'écart comme ça quand même. Oh, tu. Faut oser un petit peu dans la vie. Ouais. Je vois ça. Décroche la remorque, non? Oui, c'est ce que je vais faire. Ah non, mais non. Pas besoin d'entrer dedans. Hop, juste là, il serait une marche arrière. Hop là. Voilà, alors je monte dedans et tu vas reprendre le volant. Yes.
Voilà. Encore un peu de propagande, encore un peu de propagande. Ouais. Et bah retour au LRM. Allez. Je vois, et ça le tracteur je pourrais pas rentrer la remorque. Voilà, ok. Là tu vas voir, là tu vas rentrer ta remorque. Mm-hmm. C'est comme pour une voiture, ça va rentrer ta remorque. D'accord. Et ensuite bah, tu pourras rentrer bah, ton tracteur. Je suis sans foutre. Oui, complètement. Ah ça y est, il a compris. Okay. Il faut insister un peu. Je m'attendais à plus compliqué, mais ouais, tu me dis qu'avec l'autre c'est moins maniable quoi. C'est moins maniable, mais comme m'a dit Seven, comme c'est moins maniable, il a vu qu'il avait du mal, je trouve ça plus facile. D'accord. Parce que tu vois, c'est plus long. Celle-ci, ouais. Elle va aller. On m'en fout. Bah, elle pulse quoi. Oui, le tracteur là, il est comme bois. Mais non, tu débrouilles bien, je pense que dans les deux cas, tu vas bien te débrouiller. D'accord. Et voilà. Et eh ben, ta formation est terminée. T'as déjà fait des... T'as déjà fait des jumps dans l'eau avec ça? Avec ça, le fantôme? Des jumps dans l'eau, quoi. Ouais. Alors, dans l'eau? Non. Non, sinon je l'aurais pu. Tu sais bien nager? Tu veux essayer? Non, 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 non. Ah oui, avec le... Oui, avec le capot? Oui, 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 si, si. Je l'ai fait, mais sans le vouloir le faire. Ah oui, d'accord. Parce qu'il est en train de le réparer, un mécanicien est en train de réparer. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai coupé. Et en même temps qu'il a réparé le moteur, le capot s'est refermé. Je t'ai fait un bon plané que j'ai fini presque au unicorn. Et nous, on a fait des plongeons dans l'eau à une certaine époque avec ça. On faisait un concours entre ça et le haillon du Benson. Ah oui. On a même essayé de faire du capot jusque sur le Benson jusque. Et non, ça marche pas. Bon, avec le LSMS bien sûr à côté. Au mieux, oui. Tout est bon. Ok, nickel. T'es validé pour la conduite. Merci. Donc il y a Seven, toi, bah ça y est, bah, vous êtes tous formés. Donc c'est nickel, non? Mais c'est parfait, je te remercie. Allez, et bah bon courage à toi. Allez, bonne soirée. Salut. Bye. Et Wade, formation polo validé. Félicitations. Merci. Attention de pas péter là. Bravo Wade pour le polo. Tu pourras déclarer aussi la livraison du LRCRC demain. Ah oui, merci. Les 30 du coup c'était. Affirmatif.
T'as vu le dernier message du roi, Nick? Par rapport aux fermetures frontières, Speedy, Gros et compagnie, là? Ouais, ouais. Qu'il invite fortement à voter le thé. Bah non, non, mais c'est... c'est pas Franck Chamal. C'est pas le roi du Nord, c'est le roi du Sud. De Valéren. Oh putain, c'est le roi du Sud, non. Ouais, roi du Sud, hein. Ah merde. Je soupçonne que ce soit le fils de Pastou. Parce que j'ai pas son numéro et voilà. Ah putain, mais je me suis fait baiser. Là, j'étais en train de me dire une raison de plus pour voter le thé, mais ouais, non, je suis pas sûr que Franck pousserait à voter le thé. D'accord. Putain, j'avais pas vu le roi du Sud, je me suis fait avoir comme une merde. Bon, ok. Ah, j'avais pas vu ça. Septembre, je crois que c'est la semaine prochaine, je pourrais pas être là. Et oui, je vais aller faire une petite tournée. Ou du restock, il y a besoin de restock, je crois, non? Oui, il y a besoin, ouais, mais sinon on peut s'en occuper quand on vient. Ok, ça marche, mais je fais une tournée alors. Ouais, je vais faire un peu de cuisine là, parce qu'il y a 57 poubelles au frigo. J'aime bien raser l'eau et la caméra comme ça.
ça l'a pas perturbé. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Ryan Morris ? Ça me ferait plaisir de le revoir, lui. Je sais pas s'il joue encore. T'es en cuisine là ? Je te confirme qu'il y a bien un turbo sur le bison, hein.
Super. Ouais bah oui. Allez, c'est parti. C'est parti pour le découpage. Tu as parlé en radio ? Non, c'est moi, excusez-moi. Ok, pas de soucis. Ouais, il doit démissionner.
Oui, quitte après à être comment dire réaffecté par le président qui sera élu, tu vois. Est-ce qu'il essaierait pas de se placer? Ouais, ouais. Qui est ce geste Ben là, je t'avoue, je te cache pas, même si j'aimerais bien qu'il y ait un débat quand même. Qu'il soit le seul candidat, ça m'arrangerait. Ça accélérerait les choses. Là, vu l'urgence, quoi, je serais pas pour. Après, si c'est quelqu'un d'organisé, pourquoi pas, tu vois, ça ferait avancer. Hein. Mais si c'est Christo, ça va juste nous faire perdre encore 2 semaines, 3 semaines de mise en place. De... Donc, bah oui, on se fait représenter par Christo devant le roi là. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais je t'avoue que après, moi, je sais pas qui pourrait y aller, quoi. Enfin, déjà, qui donne aucune envie. Je pense que toi non plus. Ouais. Je vais y aller, moi. Tu vas où, oui. Je vais me présenter. Il y a le roi du sud, t'as vu ce message? Je l'ai appelé. Bah, à mon avis, c'est un téléphone acheté. Donc au début, je le faisais juste parler pour savoir un peu ce qu'il voulait. Alors... Ah, mais ça m'intéressait, moi. Il me connaît, je sais pas qui. Non, il m'a vouvoyé. Mais j'ai pas reconnu la voix, j'ai rien reconnu. Donc, je sais pas. Mais après, oui, non, il a l'air. Après, il a essayé de m'appeler encore à 1h30 du matin hier. Ouais, donc je sais pas s'il est amoureux de moi ou je sais pas ce qu'il veut. Mais... Ouais. Donc peut-être ouais, j'essaierai de le rencontrer. Après bon. Ouais. Après bon, il est dans une démarche après. Bon, c'est roi du sud, c'est pour un peu se faire sa pub, mais après il soutient quand même comment ça s'appelle? Super dangereux quoi. Ouais.
C'est ça. Et tu penses que toutes les... Ouais, non, c'est clair. Hier, ils avaient peur, là, le SPD. Ils avaient peur que ça reparte en couille. Hier. Ils ont prévenu qu'ils tourneraient vers là-bas. Hop. Ouais, bah j'essaie de faire une petite réunion avec les gens que j'aimerais bien. Et voir si eux, ils ont déjà proposé également. Construire un projet autour de tout ça. Voilà. Oh, mais c'est bien, tu m'as fait passer une pêche entière et la découpe. Le pauvre Wade, il est à côté de moi, je lui parle pas. Bah, tu me coupes mes poissons, alors moi ça me va. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, allez, à toute, Nick. Bon, alors, du coup, c'est Nick qui va se présenter. Ouais, non, il veut pas. Il a dit sinon, je vais mettre direct les pieds dans le plat, ça va pas le faire. Ouais, je pense que Nick, s'il avait voulu se présenter, il l'aurait fait il y a longtemps. Ouais, moi je te jure, j'ai envie qu'il y ait personne d'autre que William, que le T. Hein. Parce que là, rien que pour la revente des parts ici, tu vois qu'on va devoir attendre encore 3 semaines. Quoi. S'il y a un trou du cul, mais il est gentil, Christo, mais il sait très bien qu'il gagnera pas. Quoi. Ouais, après, je trouvais ça dommage quand même qu'il y ait qu'une personne qui se présente. Hein. Ben, il faut quelqu'un de sérieux, enfin, c'est ça qu'on on essaie de chercher, et qui pourrait être sérieux et a envie d'y aller. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. J'en connaissais un qui aurait pu le faire, mais il est plus là. Ah ouais. J'ai pas de nouvelles, donc... Donc, je suis revenu, j'ai récupéré son numéro, c'est plusieurs fois que j'essaie de l'appeler, mais... Pas de réponse. Hop là. Bah oui. Je voulais voir en ville, voir si j'arrive pas à croiser un agent du SPI, histoire de savoir si Dagobert a daigné montrer le bout de son nez ou pas. Et reçu.
Ouais, du coup, sinon, je connais pas quelqu'un de sérieux pour s'y mettre. Ouais, c'est ça. Mais étant donné que je connais plus grand monde en ville aussi. Ouais, et après, on fait vite le tour là en ce moment. Jacques, c'est pareil, il est gentil, mais je le connais pas plus que ça. Mais lui, il veut absolument pas y aller, de toute façon. Alexandra, c'est même pas la peine de lui en parler. Ouais, non, non plus. Philippe, je sais pas. Philippe, hein. Liège, celui du LSTS. Il est pas monarchiste, lui? Ah, bonne question, je sais il pas. Était, il était grand con de la ferme à l'époque. Ah, il a peut-être changé de nationalité, hein. Ah, peut-être, ouais. Si on y mettait Warren. Oui. Oui, sinon Warren. Ça sera la guerre, mais ce sera marrant. Et au LSPD, c'est qui le capitaine? Mia Gomez. Mia Gomez, mais non. Ouais. Elle bossait au LSRC avec moi. Ah ouais? Ouais. Elle avait peur des armes et des coups de feu. Et pour se voler Speedy, d'accord. Vous savez même pas. Ah putain. C'est assez ironique, on va dire. Ouais, la ouais, capitaine ouais. En plus. Après, je peux pas trop en parler vu que j'étais son médecin. Mais oui. C'est cocasse, dirons-nous. Oui. Oui, après, c'était pas un secret qu'elle avait peur des armes, quoi. Ouais. Mais bon, pour la suite, oui, je vois ce que tu veux dire, tu peux pas parler. Ouais, 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 c'est ça. Ça fait un moment qu'on les a pas vus, nos voisins, là. Comment ça me manquait, dis donc. Ouais. Moi, je crois que je les ai jamais croisés, moi, en fait. Ah ouais? Ouais. On m'a toujours parlé des voisins, mais je les ai jamais vus. Et du coup, je demandais, c'est vrai que j'ai pas fini, je demandais ça pour voir si c'était pas faisable le capitaine en président aussi. On y a pensé, mais vu qu'elle est pas là. Elle est pas là? Non, je sais pas ce qu'elle fout en ce moment.
Ah, si un jour il y a Frost qui se présente, par contre, surtout ne pas voter pour lui. Ah oui, non, lui me fout, ça me fout un peu la haine qu'il soit encore Willis Speedy. Pareil. T'inquiète pas, c'est prévu si William y passe. En radio. Oui. Oui, vous m'entendez en radio? Oui. Juste, je passe off radio deux petites minutes. Là, je dois me resynchroniser les neurones. Passe off radio également. Je dois redémarrer mon téléphone, la tablette et compagnie. Là, ça, y a tout qui merde. C'est reçu, pas de soucis. Et je suis de retour radio. C'est reçu. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Parfait.
trop loin. Est-ce qu'il faut aller chercher de l'eau ou des patates? Bon, on va s'en occuper avec Jacob là. Ouais. Des patates et de l'eau aussi. Après, tu peux peut-être prendre la mule. On va juste faire les patates à deux, ça ira plus vite pour le pondeur avec, yes. avec Jacob. Je vais aller chercher de l'eau alors. Ouais. Ça marche. À tout doux, bijou. Il me fait vraiment pas ça à Ryan lui. Je pense qu'il manque, hop. Et c'est bon. Nickel. Et Wade, de départ pour l'eau. Est-ce qu'il y a besoin que j'en ramène un plus sur moi? Je crois pas. Hein. Non, c'est tout bon. Yes, ça marche. Radio. Oh, c'est pas mal, je finis une petite soirée comme ça, de temps en temps.
mais tu montes comme ça au LRM. Tiens, j'en ai un homme favori des émoteurs. Parce que j'ai un raccourci. C'était voir siffler quelqu'un, ça coupire. Coupire presque, je peux la sortir. Donc on peut marcher accroupi dans le jeu. Alors, message à l'attention de Wade. Oui. Fait flipper Monsieur Hurst, le directeur du... le patron du... LSRC avec la mule. D'accord. Voilà. Du coup, il a demandé à ce que tu fasses plus doucement la prochaine fois et t'en fais ce que tu veux de cette information. D'accord. Ben, écoute, ok. Il faudra dire à monsieur
Faudra dire à monsieur parce que si on le fait flipper, ça veut dire qu'il roule n'importe comment, donc potentiellement il va abîmer le véhicule et donc potentiellement il ira plus souvent donner du travail au LSRC. Transmet l'information à monsieur Hearst. Potentiellement, Wade lui donne du boulot. Ça. Eh, bonne fin de service, Seven. Pose-toi bien. Merci. Ciao, à plus tard. Ciao, à plus tard, ouais. Après, si je l'ai juste fait flipper, c'est que ça va. Oui, monsieur Hearst, t'en fais pas, t'en fais pas. C'est une sacrée salope, celui-ci, hein. D'accord. Donc, c'est quoi ce vocabulaire? C'est une sacrée pétasse. Ouais, c'est guère mieux. Bah, ça arrive, quoi. Ouais, plutôt, c'est une petite fleur piquante. Ouais, les épines, ils sont pas très là, hein. Ouais, ben genre ortie quoi. Machin, c'est sympa, la soupe aux orties, c'est mignon, mais ben, ça casse les couilles quand ça gratte. Ouais, pas mal. Allez, qu'est-ce que c'est?
Je crois qu'il m'a pas vu. Fan de service, bonne soirée, des bisous. T'es reçu, bonne soirée Nick. Et des bisous, bonne soirée, bisous. Ah oui, LRM, hein, fini. Allez, c'est fini. Fin de l'aventure. Fin de l'aventure du LRM, on s'en va. Vrai ? Allez, je m'en vais aussi alors. Ouais. Bah ouais, on ferme là, c'est fini. De toute façon, tout le monde sera viré, on ferme. Bah ouais. C'est liquidation totale, ouais. Là, il n'y a ça plus marche. De poisson. On doit rendre tout. De toute façon, on doit tout rendre au gouvernement. Donc... Ouais. De toute façon, c'est eux les actionnaires majoritaires de la boîte. Ouais, ça devrait être Pastou qui devrait aller pêcher, tiens. Putain, c'est vrai. Déjà qu'il revienne de lui, je suis sûr qu'il est en train de pêcher, mais en fait il est mort en pêche. Et c'est pour il ça boit qu'on des pina colada, je suis sûr. syndrome du président, mon cul. Pina colada, il y a que ça. Hein. C'est qui va. Et que je voulais dire, il y a pas un d'entre vous qui va en XLS. Oula, en XLS. Nick, qu'est-ce qu'il y a avec Nick? Non, pas avec Nick. Bah il est à LS, il habite à LS, Nick. Nick il est à LS. C'est Nick LS. Non pas... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Que t'es con. Je vais aller chez Cars alors le vendre. C'est quoi l'XLS? C'est ce que t'as là, à l'entrée? Non, c'est Lyon. XLS c'est un SUV. C'est pas le chien qu'elle avait, mec. Je vois... Non. Non, je vois ce que c'est, mais de toute façon, toi, t'as ton non, c'est pas... Si, c'est un balai. Mon balai. Ton balai, donc... Mon balai. Ah ouais, mais ouais, le balai, c'est nul. Bah ouais, mais c'est un balai. Un balai, ça va à 2 à l'heure, ça suffit. Oui. Après, ça tourne pas, par contre. Allez, les XLS, ils sont assez maniables, mais après, c'est plus cher que le balai, quand même. Voilà. Concessionnaire, c'est 31 000 le XLS. Oh, mazette. Bon, on verra. Non, en vrai, moi, non, j'ai d'autres projets actuellement. C'est à faire des économies. Ben moi, en fait, j'avais pas envie de le vendre, mais j'ai vu une Deviant chez Cars. Et t'en veux une? J'en ai une. C'est vrai? Ouais, je voudrais me la montrer, c'est pareil. Ouais, viens à Mirror Park à la maison, je te la montre si tu veux. La voiture? Ah la Deviant, ouais. Ah oui. Parce que via la maison je te la montre, bon. Oui, oui. Non, la Deviant.
Et le truc c'est que ouais, le truc c'est que j'ai pas les sous, il faut que j'aille vendre la. Ouais. L'autre dans tous les cas. Mais s'il faut, si je rachète pas un truc, il va pouvoir mieux le prendre ce con. Si c'est Marlon. Ah c'est bon. Parce que moi j'avais demandé s'il reprenait ma déviante, ils m'ont dit pas pour l'instant. Ouais. C'était il y a 2 semaines je crois. J'en connais plein qui essaient de vendre des véhicules, ouais non on reprend pas pour l'instant. Par contre tu leur dis que tu vas en acheter un, ils te le reprennent, y'a pas de soucis. Ouais, ça dépend, si leur faveur de concurrence, ouais. C'est sale. C'est clair. Ouais, ça fait longtemps qu'on le dit. Et c'est pas con ce qui fait souci. Bah oui, oui. J'ai jamais à manger sur moi, je veux toujours qu'ils mandent à tout le monde. S'il vous plaît. Je prends un petit peu à chercher le sable. Tu prends ta faction, toi? Oui, oui, je vais la rappeler, c'est bon. Bah à toute, hein. Ouais. Voilà, je sortir. On va sortir parce que j'ai entendu arriver. Yes. Déjà, c'est ça, une XLS. Ouais, oui, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Voilà la bête. Le bonbon. In my gym, people get warnings for eye fucking others. Get this. Yes, elle a quoi comme elle est full? Je sais plus du tout, je l'avais pas acheté super cher, je crois que je l'avais payé 30 000 ou 25 000, un truc comme ça. Oh. 34 000, c'est le prix stock. Hein? 34 000, je crois qu'elle est au concessionnaire. 34 000, ouais, c'est possible. Ah oh.
Doit pas avoir de... Doit pas avoir le moteur. Ouais, si elle est pas comme ça. Et puis elle a un beau bruit et tout, mais bon, c'est vrai que... Ah ouais, ouais, moi j'ai juste pris pour l'apparence. Ouais, la gueule. Elle est vraiment canon, mais après elle traîne depuis... Moi je l'ai renommé chasse-cul, hein. Vraiment. Ah, il faut la custom après. Je pense qu'elle doit pas avoir grand chose là, du coup. Non, je crois qu'elle est... Elle est pas ouf. Est-ce que tu la vends combien du coup? Ouais, j'aimerais bien la revendre à 25 000 du coup. 5. Moi je sais pas, toi combien tu estimerais leur acheter du coup? Je sais pas, je trouve que 25 c'est un bon prix, mais le truc c'est que chez Cars, celle qu'ils ont, le prix est intéressant aussi en fait. Ah ouais, il doit combien? Mais c'est chuté. Ils la vendent 38. Et ah elle, oui, du coup elle est custom. Ouais, elle a tout sauf le blindage. Donc du coup, avec le moteur, tout ça, tu... T'as tout pour 4000 balles en fait. Ouais. Je sais pas si ça vaut trop le coup de te racheter celle-là pour la foule après derrière, tu vois, c'est... C'est dommage. Mais bon, ouais, enfin voilà, après, quoi que tu la vendes en dessous de 25, ça c'est clair, quoi. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Ouais, bah ouais, je vais plutôt retourner vers celle de chez Cars, du coup. Mais c'est clair, désolé. Si elle est à 34 000 prix qu'on sait, c'est que t'as juste 4 000 de... Bah c'est ça, ouais. De custom en plus dessus, sauf le blindage. C'est quoi le blindage, je vois, peut-être? Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est... il manque le blindage. Ouais. J'avoue que, du coup, entre les deux, celle de 15 est plus intéressante. Bah ouais, non, pour ouais, moi, chez 15 aussi, je t'aime. Bah, le truc, c'est comme je dis, 25 000, c'est un très bon prix. Mais chez Cars, elle est quand même assez avantageuse, quoi. Et ouais. Désolé. Bah tu me diras mais après quand je l'aurai. Non mais y'a aucun souci, c'est normal, je ferai la même. Hein, après, si je l'achète, quand je l'aurai acheté, au moins, bah, t'auras plus de concurrence. C'est ça. Bah après, peut-être que je peux leur revendre la mienne, hein. Peut-être, ouais. Mais je crois qu'ils la reprendront que 20 000 sur comme ça. Ah oui. Allez. Yes. Bon, on verra. Je vais la changer de la peinture. En fait. Je vais la mettre en jaune. Parce que... Puis, bah t'as... ouais. Je vais peut-être aller faire ça. C'est pas cher une peinture. Ouais, t'as pour 200 avec un accrage 400. Ouais. Moi, c'est un truc comme ça. Ouais, ils sont encore ouverts. Ça, je crois qu'ils étaient encore ouverts. Là, je crois aussi. C'est ça. Ouais, je voulais faire ça en speed. Yes, mais moi je vais monter chez Cars pour ouais. S'il y a quelqu'un yep. Qui est là. Qui peut en racheter. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, ouais. Profite. Yes, allez, bonne soirée. Toi, ouais, bonne plus. Soirée. Finir la soirée comme on l'a commencé au final.
avec. Et bonsoir, je vais à tes services. Allô, tes services. J'aurais voulu savoir combien vous me repreniez, vous me reprendriez le XLS. Oui. Oula. Full custom ou stock? Alors je crois qu'il est. Alors full il. Il est, mais je sais pas s'il y a les suspensions ou pas. On va dire ça les suspensions comme ça au moins. Là. Oh, pas de mauvaise surprise quoi. Ok. Alors pour l'instant je peux pas vous dire parce qu'on va appeler les durs pour l'estimer sur le véhicule. D'accord. Bah je peux les appeler, ils vont venir vraiment très vite. Bah oui, pourquoi pas. Après, je vais voir, voir un peu ce que vous avez aussi. Voilà. Et ben, je vous en prie, vous pouvez voir. Ouais, je vais faire le tour. Merci. C'est chiant ça de pouvoir faire des estimations sans les jours. Toujours la déviante. Dommage ça que vous puissiez plus faire des estimations sans les durs. Ouais. Si du coup ça les fait se déplacer pour s'il faut ne pas faire affaire après derrière, c'est un peu dommage je trouve. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça me dérange pas, surtout pour vous quoi. Bah de toute façon un moment on a l'habitude. Oui. Il y a un joli parc en tout cas, il y a de belles bagnoles. C'est vrai.
franchement une bave très très belle. Et c'est ce que je me disais, c'est une Lamborghini, oui. Pardon ? C'est ce que je me disais, c'est une Lamborghini, ça. Ouais, c'est ça. Ça doit marcher, ça. Ah bah, c'est vrai que ça marche. On va voir lui. Et service. Ah, tu montes ton bébé, c'est ça? Ouais. Ouais. Je chercherais pas une édite par hasard. Bon. Je vends la mienne, j'en ai marre, je la vends, mais y'en a une ici, là, putain, elle est moins bien en plus. Ah, mais arrêtez de me faire des dentaires là, j'en peux plus, je suis tout seul, là, t'es reparti de poser. Enfin, il est en train de poser. Alors, moteur TATUS transmission 3, turbo installé, armure, frein, donc la totale. Et là. Bizarre ce qu'ils font, je comprends pas. Ça fait. La dernière fois c'était pareil avec Marlon. Il regarde et puis après. Trop bizarre. Oh, c'est ça? De quoi? T'as acheté la Lambo ou la Tesseract? Bon, la Lambo, écoute, à y être. Ah, ce sera que la troisième, de toute façon. Il y en a déjà deux en circulation. Ah ouais? Par contre. Ah, les roues comme ça là, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non, mais sans déconner. Mais je me suis posé la question si elle était custom, justement. Oui, elle est custom. Elle est d'accord. Je sais plus, mais je crois qu'elle est fou. Je crois que je sais plus. Ça coûte combien un gène comme ça? Ça coûte. Une couille, voire oui, deux avec la custom. Ah, deux avec la custom. Ouais. Ouais, je crois que c'est 190 000 la bagnole et t'en as pour 210-220 en full custom, je crois. Ouais, d'accord. C'est un truc du genre, je crois. Mais... Ouais, j'ai pas le prix. Ah, si, 145 000. 145 000. Ouais, sans custom. Ah, mais putain, mais arrêtez de me harceler dessus. Ouais, va travailler parce que là. Alors, je peux vous la reprendre. Je peux vous la reprendre à 28 000. Si je te prends une voiture ici, tu peux faire un effort sur le prix des reprises ou sur un prix d'une voiture? Tu prends une voiture ici? Ouais, c'est autant te dire. Et... que j'avais la... comment elle s'appelle? La Deviant qui m'avait tapé dans l'œil. Ok. Donc, la Deviant, elle a 38, je crois qu'on m'a dit hier. 38, voilà. Alors, ce qu'on peut faire? Ouais. Je te la rachète 30 000. Ouais. Et tu prends un Deviant. C'est ce qu'on peut faire. Ça me va. Ça te va? Ouais. Nickel. Attends, toi tu fais la Deviant, ok.
Alors. Je vais juste aller chercher les 8000 vite fait. Ah, mais remarque, on peut. Ah non, on peut plus retirer sur le guichet. Je vais à la banque chercher les 8000 et je reviens. En studio, il y a un guichet juste là-bas vers le mur. Tu peux retirer depuis là. On peut retirer ou on peut juste mettre, je sais plus. Alors on peut que retirer. Que retirer, oui, voilà. Ouais. Je savais qu'il y avait un truc qui avait changé, mais je savais plus quoi. Ouais. C'est sous les murs juste là. Yes, merci. Bon, ben nickel, c'est ce que je voulais. Allez, c'est bon. Ah, ok, attends, je finis juste ça. Hop. Voilà. Là, suis-moi. Est-ce que tu pourrais me dire la plaque du véhicule, s'il te plaît? C'est UHE 49 757, pardon. Ok. Hop, voilà. Okay. Et voilà les 30 000. Merci. Voilà. Alors, on va s'occuper de la déviante. Attends, juste avant, est-ce que je vois les clés du véhicule? Oui. Mieux. Tiens. Merci. La déviante. Alors, déviante. Qui est un 38 000. Il est jamais devant, puis on fait les papiers. Allez, ça marche. Ça semble que Cayenne, ça me parle.
coup ça c'est bon. Bah, la petite facture. Yes. Il faudrait un nom prénom s'il vous plaît. Wade WADE Mills MI2LS. Dis quelque chose sa voix. Nickel. Et voilà. Et c'est payé. Nickel. Voilà la carte grise. Si. Et les clés qui sont juste là. Où est-ce qu'elles sont ? Voilà. Je vais te dire que c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Eh bien, tout est bon. Eh bien, c'est parfait, je te remercie. Et merci à vous. Et bonne soirée. Et à la bonne soirée. Paye 2000 euros.
crois que j'avais jamais fait de Deviant quand j'étais au SRC. Ça va. Cosmétique, autocollant. C'est l'autocollant qui est dégueulasse en fait. C'est moche. Elle est tourée. Bon. Voilà, voilà. Très bien. Bon. Ouais, il faut l'arrière là pour. C'est bon.
C'est le noir mat qui est dessus, ça ira, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent encore pour le média? Ah, mais si ça s'y remet un peu, c'est pas mal. Et bonsoir. Bonsoir. Moi, ça serait ouais, petite révision et puis on va regarder pour un custom après derrière. Ok.
Heureux Wade. Oh, il est pas à l'aide encore avec le custom. Regardez. Ah bah y'a pas de soucis, faut lui apprendre. C'est quoi, custom non pas peinture ça y est. Non pas peinture, normalement la peinture c'est bon. Non c'est changer le sticker, c'est. Voilà. Garder un petit peu de en cosmétique qu'est-ce qu'elle a quoi. D'accord, et eh ben voilà. Donc déjà tu vas regarder les cosmétiques qu'il veut voir. C'est-à-dire tu vas dans cosmétiques, autocollants. Ouais. Ouais. Alors j'ai ceci, les bandes grises, les bandes blanches classiques, les bandes négatives, bicolores, ceci, ça. Et voilà. J'aimais bien bicolore. Bicolore, ouais. Ça. Ouais, comme ça. Sachant qu'il restera grise. Ouais, restera grise, ouais. Ouais. Montre-moi juste les bandes pour voir ce qu'il y avait. Ça. Ou alors celle-là, c'est plus discret. Attends, remonte les autres bandes, les premières. Ouais, juste fait, là, celle-là, non. Ouais, non. Hop, remonte. Voilà, non. Ça, c'est la première. Non, oui, non. Voilà, voilà celle-ci. Ça, ouais, c'est discret. Je sais pas. Un peu trop discret, peut-être même. Ça donne un style. Ouais, je pense que je vais rester sur le bicolore. Bicolore. Ouais. Ouais, ça. C'était la table qui liserait qui te. Ouais. Je valide ça. Ouais, tu peux valider. Et là, il veut voir tout ce qui est custom visuel. C'est ça. Donc la carrosserie. Alors. Tu fais retour et après, voilà, là t'es dedans, je pense. Alors, ouais, je suis dedans. Alors, tu préviens le client ce que tu fais voir. Toujours. Là, c'est l'aileron. Voilà. Je reprends depuis le début. Le premier. Là, il y a le bec de canard. Il y a le. Ouais, il y a le. Ça, c'est hélice. Ça, c'est carbone. Ça, c'est en coche. Celui-là, il est pas celui-là, c'est celui actuellement. Ah, il y en a ça, pas. Ça, c'est ce que j'ai, ouais, d'accord. Ouais. Et il y a le rebord de coffre. Et le rebord de coffre plastique. Oh, arc. Et le rond bas. Et le rond bas. Celui-là. Ah, celle-là, avec en coche, c'était le meilleur, je trouve. Ouais, celui-là, je trouve, ouais. Elles sont à combien? 375 watts. Attends, non. Oui, 750. 750, ouais. Voilà. Toujours faire ton calcul. Voilà. Toujours faire son calcul. Heureusement, oui, ils ont travaillé ici. Connais les. Oui, mais ils ont tous travaillé ici en même temps. On va regarder le reste et je vais calculer, voir combien ça me fait au total après. On va voir déjà combien t'en as pour. Ouais. Et si on peut faire un digest. Je sélectionne quand même, comme ça on se fait un total. Ok. On va faire un devis. Ça marche. Voilà, du coup on va voir quoi. Maintenant le capot. Bah voilà. Capot. Yes. Tu fais un par un. Donc là c'est capot en carbone. Hmm. Le capot, voilà, bon, c'est. Ouais. Après il y a le capot ventilé. Ah, oh, j'aime bien sûr. Capot couleur secondaire. Celui-là c'est celui actuellement. Okay. Avec chargeur et le capot avec prise d'air, ça c'est moche. Ouais. J'aimais bien ce carbone avec chargeur et le carbone. Ouais, un carbone, non, ouais. Ça lui correspond pas le carbone. Comment ça vient de connaître? Ouais, mais même enfin, le ventilé, j'aime bien. Alors, le ventilé, j'aime bien, mais j'aimais bien quand même voir le moteur. Celui que j'avais. Ah bah, donc celui d'origine, donc bah, ouais. Tu laisses celui d'origine. Donc tu fais retour sans rien modifier. Ok. Hop, tu vois, ça revient. Ouais, on va le garder comme ça. Ouais. Je suis toujours en train de le changer de toute façon. Là, on regarde les grilles. Ouais. Là, il y en a plusieurs. Ça, c'est couleur 2. Lamelles. Les 7 lamelles. Plastique. Furtive. Furtif classique,
chrome sombre. Classique. Remets la furtive, voir. Furtive, celle-ci. Et à 100$, ça. Ouais. Repasser les autres furtives. Attends. Celui-là. Furtive, ouais. Classique. Et après, là, on est sur furtif chrome sombre. Classique. Je vais prendre juste la furtive. Celle-là, là ? Ouais. L'autre, okay. Ça fait trop sombre, je trouve. Enfin, je sais pas, en fait. Ah. Ouais, si, comme on... Tu veux. On met la furtive. On met la classique, voir. Attends, la classique, c'est celle-là. La furtive classique, pardon. Attends, là, j'ai la classique. C'est la furtive chrome sombre. La plastique. Ah, plastique, ouais. C'est la plastique, je voulais voir. C'est celle-là, ouais. Ouais, j'hésite. Après, ce n'est que 100$ pour celle-ci. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais mettre celle-là et puis au pire, je changerai, c'est pas grave. D'accord, la plastique, ouais. Alors. Ouais, ouais, ouais. Ok, je valide ça. Enfin, je sélectionne. Alors, après, il y a le pare-choc arrière. Donc là, il y en a 6 en tout. Donc, okay. Il y a celui-là. Bah, que tu as actuellement. Après, il y a le pare-choc avec rainure, le chromé avec bande plastique qui est là, l'autre avec bande plastique, le pare-choc couleur 1, pare-choc chromé, pare-choc en carbone. Bon, on va rester sur celui que j'ai. Ok. Alors, après. Donc c'est le pare-choc avant du coup. Ouais. Donc là, ouais, je crois que c'est que les séparateurs, non ? Pare-choc avant. Ouais. Ouais. Pour l'instant, ouais, c'est le séparateur donc, qui est sélectionné. Il y a le séparateur en plastique. Le séparateur couleur 1, le séparateur rallongé. Ouais, c'est... j'aime pas ça. Pff, oh non, c'est... Ça détruit la bagnole. Ouais, ouais, pareil. Le rallongé plastique, le rallongé carbone. Séparateur de carbone. Mon dieu. Non, on va laisser ça un séparateur. On laisse celui de base. Okay. Ouais, ouais. Et il faut être franc avec les clients. Quand tu trouves un truc, il faut le dire aussi. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Alors, le pot d'échappement. Ouais. Ah, donc, ça c'est. Arrière. Et le double arrière. Ou le latéral carré. Ouais, sur les côtés, j'aime pas. Ouais. Le double arrière. Ouais, 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 ouais. Le double arrière, ouais. Ouais, 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 ouais. Double arrière, ok. Il a combien ? 750 aussi, je crois, non ? 125. Non. Fois de... ah, attends, je réfléchis. Attends. 250. 250, ouais, c'est ça. Ah, ça va, je le pensais plus cher que ça. Alors, ensuite, nous sommes au toit. Ouais. Toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon toit. Mon... Donc, il y a le toit carbone. Ah non, ça détruit. Ouais, pour l'instant, rien, pour l'instant, c'est ça. Ou ça. Ah, d'accord. Ouais, non. On va te laisser comme c'était. Du coup, est-ce qu'il y avait autre chose à voir ? Les pneus. Est-ce que les roues. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça irait bien que des pneus tout terrain là-dessus ? Non. Non ? Non. Sûr et certain, non. Bon, alors on va les roues, les roues sont du lowrider ou du. Alors on va peut-être rester sur ceux-là parce que je les aime bien ceux-là quand même. Ouais, ah oui, elles sont très belles. Franchement, ça les correspond très très bien. Alors au niveau des performances, je vais regarder si tout est ok. Alors moi, il y a tout sauf le blindage. Le moteur, c'est ok. Les freins, c'est ok. Transmission, ok. Suspension aussi. Blindage, il n'y a pas, ouais. Le blindage, il est un peu plus cher, ouais. Il y a combien le blindage ? Le double. Toujours. Bah, ça va faire très très cher, alors.
Pourquoi? On va dire qu'il a... Ouais, il est pas loin de 7 000 $. Ok. Ouais, ça va. Mais non, non, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Mais je vais pas le faire de suite, le blindage, du coup. Ok. Voilà. Tiens, Jacques, j'hésitais. Ouais. Est-ce que tu peux me remettre les grilles, s'il te plaît? Les grilles. Ouais. Ah, la calandre. La calandre, ouais. Tu vas voir, il va te montrer avec lesquelles j'hésitais. Ah, les chromées, peut-être que t'hésitais. Pas la chromée, mais la claire, en fait, tu vas voir. Attends, je regarde. Après, c'est dans carrosserie. Je trouvais que ça faisait trop clair par rapport aux autres. Ouais. Bon. Alors ça, ouais. Oui, c'est bon. Donc, vas-y, ici, vas-y. La simple, je remonte tout comme ça. La chrome sombre. Ouais. La chrome sombre. Lamelle couleur. Lamelle chevrant. Cette lamelle. J'aimais bien les deux. Oh. Celle-là, tu vois. Ah si. Tu peux, c'est mieux celle-là. Ah ouais, si. Ça lui donne un air agressif. Ouais. Incroyable. Et je trouvais. Enfin, après, sur de la voiture, il y aura que ça de clair. Je trouvais que ça dénotait, mais en fait, au final. Non. Ça. Remue un peu la tête, tu vas avoir des ombrages dessus. Ouais, je vois. Tu verras que non. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on va prendre celle-là. Du coup. En sachant que t'as quoi comme feu là, à l'intérieur là. Je sais pas du tout. D'ailleurs, on va aller regarder. On va voir. Ah bah tiens. T'es à combien là? On va regarder. Si je calcule, je suis devant les 1 200 $. En tout? Ah ouais. Ok. Voilà, c'est pas le chiffre rond, mais. Voilà. Non, je t'ai dit, toujours arrondir au client. Enfin, tronquer au client. Oui. Ok. Ça te va, comme prix déjà, pour qui valide? Oui, ça me va. Ouais. Ok. Bah, tu valides déjà ça. Ok, je valide. Alors, dans ces cas-là, moi, j'ai toujours un bloc-notes à côté de moi pour noter ça. Parce que là, tu vas être obligé de monter dans la voiture. Pour faire voir les feux. Alors les feux, ça... Ah ouais, c'est des blancs. Les blancs, ils sont pas mal quand même. Hein. Est-ce que tu peux essayer là oui. La douche dorée. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. C'est dans les feux, ça. Ouais. Dans cosmétique, c'est non. Ouais. Là non. C'est blanc. Bleu. Douche dorée, c'est ça. Ça. Ah là, c'est celui-ci. Ouais. Ah. Et tu veux faire une voiture qui fout la trouille comme ça, en rouge. Ouais, mais les rouges, j'ai déjà essayé, on y voit rien. Ah, quoique. Ah, orange comme ça. Oh, remarque. Oh, et le rouge. Bien, le rouge en fait. Ah, et le rouge, il donne bien. Ah ouais, rose, ça te va bien, oui. Il y a une moto rose de chez Cars d'ailleurs. Tiens, remets rouge. Ouais. Ça, c'est mignon. Oh. Ça aussi. Ah, ça, c'est ultraviolet, ça. Il y en a pas mal. Mais le rouge, je trouve. Il y a le rose poney. Le rouge. Le rouge, c'est pas mal. Hein. Oui, avec les. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi. Allez, vas-y, valide. On prend ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est 200 $, je crois. C'est ça. Au moins, ça, ouais. Je dis, c'est ça, mais s'il faut ça changer depuis le temps, tu me diras. Ça a pas l'air d'avoir changé les prix, mais. Non, pour les cosmétiques, non, c'est surtout les custom. Ça a changé. Ah ouais. Je valide la facture, ouais. C'est bon? Ouais. Donc voilà, du coup. Donc, on avait dit quoi? Allez, on va voir si t'as bien noté. Si j'ai bien noté. J'avais dit. Le premier. 1200, ça je sais, j'ai retenu. Plus ces 200, on est à 1400. Voilà. Et comme c'est un client qui est bien gentil, on va faire une petite réduction.
on va mettre 1300. Voilà. Attends, c'est moi qui vais décider, je suis pas trop. Et ben on va lui offrir les phares. Tu les fermes 1200. D'accord. Super. Merci. Je vais retirer, j'arrive. Et cadeau. Ok, vas-y, vas-y. Flash le rouge, hein. C'est pas mal. Ah, hein. J'adore. Avec le noir et gris comme ça, j'adore. Et tu sais que j'étais en train de calculer que avec mon accident, j'ai du mal à me souvenir des dates, même de mon âge parfois, des trucs temporels, j'ai du mal à me souvenir. Ah merde. Mais j'arrive à me souvenir des chiffres, des prix du LSRC quand même. Ah ben, dès que c'est du pognon, hein, on se souvient bien. C'est clair. Oh, tu verrais, ici ça a beaucoup changé hein, depuis que je suis arrivé. Ah ouais. C'est fini hein, les trucs où tu devais aller sur l'intranet marquer les machins. Ils ont plus rien à noter maintenant. Ah, c'est bien. C'est tout fonctionne par tablette. C'est bien. Ah, non, mais quand je suis arrivé, qu'on m'a dit ouais, faut que tu jongles avec ça, avec ta tablette Hitachi plus ta tablette Google. Je suis non, c'est bon. Ça. Ouais, Charène est s'arraché les cheveux. Oui, bah. Quand j'y étais là, c'était. Quand j'étais directeur, en fait, elle était à Wade Mills. C'est ça. Comment? Wade, W-A-D-E, Mills, M-I-2-L. Ouais, c'est ça. Et ouais, Charène, quand je suis passé directeur, elle était jonglée entre Hitachi et l'intranet. Et du coup, elle voulait pas que j'y touche parce qu'elle avait peur que ça. Hop, voilà. Oui. Et ben moi, j'ai foutu en l'air. Elle avait peur de tout. C'est ça. Je l'ai foutu en l'air deux fois. Hein. Ah ouais? Merci. Bah de rien. Et c'est bon. Heureusement, t'as les retours arrière. Oui. Et on va dire que pendant. Quand j'ai racheté le LSRC il y a 4 mois. Mm-hmm. Parce qu'elle en avait marre, elle a fait un burn-out. D'accord. Je l'ai racheté. Elle m'avait expliqué toute la compta quand même et tout ça. Il fallait à peu près 45 minutes. La compta du soir, le dimanche à minuit. Alors moi, ça me gonflait. Je fais, basta, on va tout passer par tablette. Et maintenant, la compta me prend 5 minutes. Ouais, bah, c'est nickel ça. Et la seule personne qui est un peu, entre guillemets, biaisée sur ce vêtement-là, c'est les patrons, parce qu'on peut plus avoir du custom à 100%. Mais je m'en fous. Ah merde. En même temps, oui, bah ça, non, mais tant mieux. Au moins, les employés, ils disent que bah, nous aussi, on a 30% aussi, comme n'importe quel employé. Ouais. Hein, parce que j'avais du mal aussi à comprendre pourquoi 100%, alors qu'il y en a certains, ils travaillent plus qu'un patron. Hein, je crois oui, que c'est hein, bon, t'as dû connaître Ryan Maurice, je pense. Oui. Monsieur Fantôme, qui venait simplement pour faire ses customs et qui venait jamais travailler. Ouais, c'est donc, ça. Dès que j'ai eu 51% d'entreprise, j'ai mis ça en place. Et t'inquiète pas qu'il m'a revendu ses parts. Donc voilà. Ouais, mais après, voilà, il était sympa, mais c'est vrai que sur ce truc-là, moi je me suis pris la tête plus d'une fois avec Charène à cause de Ryan. Ah oui, j'en voulais plus dans l'entreprise. Il est donc arrivé. J'ai tout fait pour le gérer. Pour le gérer. Tu vois, on mettait des choses en place, le plein des véhicules, des trucs classiques. Le plein des véhicules, comment dire, tu arrives en service, tu t'annonces, t'as des petites règles qui facilitent le quotidien, on va dire. Ah, c'est ce que j'ai gardé, ça. Mais lui, il arrivait, il détruisait tout. C'est, Ah non, mais lui, en plus. C'était, puis des conneries aussi, on disait, on prend tel nombre d'outils sur nous, pas plus, parce que, enfin voilà. Ah, j'en ai rien à carrer, ça. Mais ça, ils prennent, mais il faut qu'ils redéposent dans le. Oui, voilà, il faut redéposer.
Donc ben, lui c'était du style, il venait, il prenait, il restait 5 minutes et puis après il te donnait 10 kits moteur, ah ouais, non, non, carrosserie, t'étais non. Là mais c'est pas possible. Déjà moi, alors je te dis, hein, ici, déjà j'ai démis la tarif. Ouais. Toi, t'as dû connaître les $95, je crois. 95 $85. 85 dollars. Ouais, on était monté à 85, quoi. Bah, c'est descendu à 75, déjà. D'accord. Hein, parce que, t'as des réparations, voilà. Les personnes, même s'ils viennent, qui nous disent, c'est très rare, et j'ai à faire juste un nettoyage, on fait quand même la totale. Ouais. Ça, voilà, il fait le nettoyage. On leur fait payer dans ces cas-là une chiffonnette, quoi, un $5. Okay. Mais s'il y a une révision, s'il n'y a rien du tout, on fait quand même la totale, ouais, avec le coût de chiffonnette, et on ne fait plus payer la chiffonnette non plus. C'est gratuit. Ouais. Là, on l'a fait comme les durs. C'est ce qu'on faisait avant, et ils ont décidé de faire payer le coût de chiffonnette à $5 après. Non, ouais, ça, c'est fini. Ouais. Moi, j'étais pas pour non plus. De toute façon, l'augmentation des prix, j'étais pas pour dans tous les cas, moi, donc... En fait, ils ont voulu augmenter les prix à cette époque-là. Ils ont voulu augmenter les prix, je sais plus pour quelle raison, parce que soi-disant que ça taxait trop, on gagnait plus. Et on gagnait plus aussi. Ouais. Et du coup, pour justifier l'augmentation des prix, ils ont dit on fait payer le coût de chiffonnette. Ah, que non. On fait plus payer nous le coup de chiffonnette. Pareil, hein, quand il y a un custom, on fait pas payer les réparations. Ouais, je me suis aperçu. Ouais. Ça fait bah, c'est ce qui est normal. Que, ouais. C'est pareil, tu sais, pour des tarifs comme j'ai payé ce soir, on n'avait pas autorisation de faire des prix. C'était si c'était pas sur entre 5 et 10 000, on faisait pas de prix. De minimum, je parlais. Oui, oui. Mais regarde, un client comme toi, bon, là parce qu'on est un petit peu, je sais que t'as un ancien d'ici. Donc là, je t'ai fait 15%. D'accord. Mais tu vois, par exemple, un client qui n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il vient d'arriver en ville, il veut se faire un petit custom. Alors, les couleurs, on évite de faire trop de tarifs quand même. Ouais. Mais sur les customs. Un petit 10%, des fois c'est quoi? C'est $50. C'est ça. Qu'on perd en prime, et le client il va être content, il va dire putain, j'ai eu 10%, et ben je vais revenir pour le custom. Bah, c'est ça. Voilà. Moi j'autorise mes employés à dire n'hésite pas de lui faire un petit 10%, 15%. Après, si c'est au-dessus, tu m'en parles avant. Ça, je suis là tous les soirs, de toute façon. Mais. Comme tu dis, les gens ils reviennent après. Voilà, ils reviennent. Je suis pas contre les réductions. En sachant que, comme je leur ai dit, certes, vous perdez un petit peu sur votre prime. Moi, je perds sur la dividende, c'est normal aussi. C'est un client qui va revenir. Donc. C'est ça, tu t'y retrouves après derrière, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, peut-être qu'il a gagné $100, mais c'est peut-être les $100 qui va lui manquer pour acheter un autre véhicule dans 2 semaines et refaire des customs. Ça. Donc faut voir comme ça, hein. Donc c'est pour ça le truc. Alors j'apprécie beaucoup Charen. Je crois qu'elle a été trop matrixée par l'ancien patron. Ouais, par merde. Voilà. C'est ça. Que argent et utilise argent. C'est ça. Hello. Oui. Oui. Oui, c'est ça. voilà, la bonne question. La bonne question. Alors, non, vous n'êtes pas des hauts fonctionnaires. Mais vous n'êtes pas des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires qui ont été dit, c'est votre roi là, ça veut dire les hauts fonctionnaires, ça veut dire le LSPD, la capitaine et le directeur du LSMS. Ce qui est interdit chez vous, c'est les gros,
Simplement à rentrer dans la frontière. Après les entreprises privées, droit de rentrer. Ah, donc la fin et les durs. D'accord. Je te préviendrai. Dès que on part en comment dire pour le. Oui oui, on va faire du saut parachute. Je te préviens dès que nous on fait. Je t'enverrai un message. Si t'as du monde, tu fais le nécessaire. Bah sinon bah un chèque. Ok. Fais un salanti. Allez, bah sur ce, bah, bonne nuit à toi. Et puis surtout, faites gaffe à vous. Ouais. Allez, bye. Ah là là. Donc. Quelle histoire, ça aussi. Oui, oui, bah oui, parce que demain, on se fait une soirée employée. Donc je ferme le LSRC pour. Comment dire, pour une heure et demie, là. Fermer à l'époque, c'était. C'était impossible. Rien à foutre. Ça, c'est. Putain, ça. Je me suis battu aussi pour ça, c'était incroyable. On va fermer pendant une heure et demie, là, pour faire du saut en parachute avec Pegasus. Ah, bah c'est bien ça. Voilà, on va faire ça. Et j'avais prévenu les durs que s'ils voulaient mettre quelqu'un ici, il était bienvenu. Moi, ça me dérange pas. Mais avec la nouvelle annonce, ouais, ils redoutent. Mais je fais, bah non. On est des entreprises privées. Oui. J'en ai rien à branler de leur vie politique. C'est ça. Voilà, ouais, ici, là, j'avais. Ils avaient voulu faire des réunions à un moment donné. Et. Ça s'arrête pas les réunions. Ils nous avaient dit. Alors, on va faire des réunions, mais par contre, il faut pas que le LSRC soit fermé, donc on va faire des réunions en service. J'ai dit, mais les réunions en service, tu seras toujours toujours dérangé par quelqu'un, tu pourras jamais faire ta réunion. Ah, surtout si t'es tout seul en service. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Du coup, ben nous les patrons, on va rester en service et vous non, comme ça, vous serez pas dérangé. J'ai dit, mais si vous les patrons, vous restez en service, moi je trouve que c'est un manque de respect pour l'employé, parce que t'es pas concentré pour la réunion. Tu vas sortir, tu vas machin. Ouais, mais non, c'est pas possible, on peut pas fermer le LSRC. Je dis, bah écoute, on peut pas fermer le LSRC, mais le jour où vous faites votre réunion, moi je ne serai pas là. Voilà, ouais, c'est ça. Et ben, ils ont fait leur réunion, moi je suis pas venu. Ils m'ont pas cru, tu sais, ils pensaient que j'allais venir. Mais non, non, non. Si vous faites ça, alors, je ne viens pas. Entre guillemets, j'ai de la chance quand même d'avoir Sawan, Romual et tout ça qui sont là le soir. Donc là, oui, je peux prendre. Ah tiens, attends, je vais prendre Sawan. Ça va ? Ah oui, ça va. Ah oui, c'est concentré. Hop, voilà, ce sera bon. Mais non, c'est. J'ai de la chance d'avoir eux deux là qui travaillent très tard le soir. Ouais. Et même, voilà, à 21h30. Donc je peux me permettre, parce que je leur fais confiance. Sur ça, moi j'ai fait confiance. Je regarde pas. Je leur fais confiance. Si je vois qu'il y a un problème dans la compta, oui, là je commence à fouiller. Et salut François, ça va. Mais voilà, moi je laisse du lest à tout le monde. Ben ouais. Je m'en fous de ce qu'ils font. Non, mais c'est ça. Et mais si je vois que je suis tout. Tu vois ça, service pour une réunion pas trop. J'ai. Tu vas rire, mais j'ai déjà chopé Charène en train de se planquer et d'espionner ceux qui venaient bosser tard le soir. Alors, mais j'en ai rien à branler. C'est même moi le premier à dire. Moi, j'en ai rien à faire. J'aime bien mon petit mur, des fois. Être solitaire, à regarder, à écouter de la musique, quoi, comme ça. Et je suis le premier à dire, quand il y a votre client, allez pêcher. Allez au Unicorn, vous amuser. Faites ce que vous voulez. Mais s'il y a un custom, moi, ça je vous appelle. Ouais. Ça vous venez, vous le faites. Et puis voilà, ça sert à rien d'être à 4 à tenir le mur. À tenir le mur, voilà. Ouais, d'accord. Moi c'est pareil, hein. Quand je vois qu'on est 4-5, je fais bon, alors qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Il y en a un, il veut faire ça, bah, je sais pas, il va faire ça.
on se donne la balle. Ça veut dire qu'il y en a un, il dit bah tiens, je vais aller boire un café, il va boire un café, là il fait bah tiens, je vais faire une demi-heure de pêche, et moi à côté, je fais bah tiens, je vais jusqu'à 15, et voilà. Ouais. On reste en radio, et puis voilà. Oui, bah c'est bien ça. Et le jeu, enfin, le moment où ils font, oula, c'est le rush, et bah demi-tour tout le monde, et on arrive. Et franchement, ce système que j'ai fait fonctionne très bien. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Donc voilà, bah c'est. Je crois que les anciens patrons, je crois que le quand j'ai refait le LSRC, j'étais tout seul. Ouais. Il n'y a plus personne. Que c'était des semaines à 70 heures à peu près que je le faisais. Oh putain. Ouais, à côté, je faisais 40 000 de dollars de prime. Ouais, c'est sûr, mais bon. Voilà. Bon, j'étais complètement claqué. Tu peux rien faire de l'argent après à côté, quoi. Ah bah non. Waouh, je faisais rien. Et quand. Alors après, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Dès qu'ils ont su que Charène, c'était fini, qu'il n'y avait plus là, j'ai eu plein de propositions d'embauche. D'accord. Non, bah, j'ai trouvé ma petite équipe. C'est très bien. C'est. Ouais. Mais comme tu dis, je crois qu'ils s'étaient enfermés dans une boucle, les anciens patrons là. Et... Je l'adore, Charène, hein, mais c'est vrai que. Bon, il y a des moments. Mais... C'était un peu tendu, quoi. Ouf. Oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait, Seven là? Tu veux y aller, Sawan? Non, pour faire. Bah pour voir. Tu connais l'humour de Sawan. Allez, moi je vais aller faire un tour, mais je vais pas mesurer. Voilà. C'est pour regarder, non? Ou c'est. Venez, oui, quand même. Mesurez. Oh putain, vous mesurez, putain. Ça fait mal. Au plus grand. Grand, j'ai des hommes. Quoi. Je vais regarder le spectacle, mais je me mesure pas, moi. Allez, ah bah attends, tiens, Jacques, je vais prendre ton numéro. Oui. Y'a pas de soucis. C'est Jacques. Caudroy, C-A-U-T-R-O-Y. Rien à voir avec la monarchie, hein. Chaque fois on me fait arrêter là. Non. Jacques. Oui. Je viens d'envoyer un message. Oui, bon, À Roméal, je lui ai dit c'est le moment de te mesurer. Voilà. Alors c'est 555. Ouais. 83 78. Nickel, je t'envoie un message. Voilà. Allez, je vais voir le spectacle. Alors attends, ton message. Putain. Voilà. Ok, parfait. Et ben je donne ça. Et bien, bonne soirée à vous et puis à plus tard. Ouais, bonne soirée. Salut. Allez, bye. Monsieur. Ouais, il est descendu de l'estrade, quoi. Et bonsoir. Et bonsoir. Bon... Oh putain, mais... Wade ? Oui. Oh putain. Comment tu vas ? Ben, on fait aller. Et toi ? Bah mieux que tes jambes. Bah oui, ça c'est pas compliqué. Ah, je pense qu'elles doivent être dans un coin pourri par là-bas. Quelque part.
Là-bas, c'est movible, ce là-bas, truc. Là-bas, en Angleterre. En Angleterre. Ouais. Du coup, ouais, c'est plus là-bas, du coup, vers l'est. Ah ouais, c'est plus là-bas, tu trouves ? Donc, non, enfin, c'est de l'autre côté du monde. Ah non, du coup, c'est par là. Ouais. Ouais, genre, c'est là. Là. Ouais, enfin, t'as raison. Il y a la Belgique. C'est... Là, la France. Là, le cœur. Pays haut. Là, la Terre, elle est plate. Bah non. Bon. Elle est ronde. On t'a jamais appris que les Chinois ils marchaient sur le plafond. Ouais, pareil, ils m'ont toujours dit que c'était plat. On m'a toujours menti. Elle était pas plate la tête de tes parents. Par hasard. Ils m'ont bercé à peu près du mur. C'est peut-être eux qui ont été bercés à peu près du mur, hein. Sauf mon respect. Oh oui, les deux, hein. Voilà. Ils se berçaient mutuellement contre le mur. Non, je veux pas savoir la réponse à cette question, en fait. Et te pose pas cette question non plus. Ah là là. Qu'est-ce que je peux pour toi, Wade ? Bon, je vais te prendre une bière, s'il te plaît. Oui. Allez, bah ça part, hein. Il y a un truc, Aiden. Ah, j'ai bien un café, s'il te plaît. Ouais. Alors c'était flagrant ou pas les vannes là-bas ou c'était... C'était incroyable, je me suis évanouie tellement c'était drôle. Ah oui, oui. Vraiment, je... Ah, le réveil a été rapide pour toi. C'est ça. Le retour à la réalité. Exactement. Alors, hop. Et merci. J'ai presque peur d'y aller. Et vraiment, j'ai peur du feu. Fais attention. Ouais, hein. Hein. En vrai, je te dis, fais attention. Ouais. À tout moment, c'est toi qui montes sur scène après. Hein. Ah non, 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 non. Ah bah, c'est le jeu. J'ai aucun humour en plus. Et voilà, super. Je te remercie. Ah bon ? En tout cas, je connais pas de van. Je peux toujours leur raconter celle de Leclerc. Blague. Et ton café. Non, c'est... Cœur qu'il en fait pour moi, c'est déjà très très bien. Ouais. Non, je suis très mauvais. Ah, j'espère qu'il l'a pas pris mal, hein, ton cadet tout à l'heure, quand j'ai sorti la batte pour l'arme contendante. T'inquiète, il prend pas grand-chose. Non, non, il prend pas grand-chose, t'inquiète. Et 12 balles, s'il te plaît. Nickel, merci. Je paye pas en 9 mm ni en 156. Hein. Super. C'est. Voilà. J'aurais pas compris. Il comprend pas grand chose pour le moment, donc je pense pas qu'il ait capté que tu l'aies un peu chauffé vite fait. Ouais, bah après, c'est vrai que si. Comment dire. Comme il est cadet, j'imagine qu'il doit se faire pas mal. Au niveau du métier, donc il est un peu paumé de base. Il est nouveau en ville. Ouais, il est nouveau en ville et puis il est un peu lunaire, donc ça va être dur. Mais bon, il y en a comme ça. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Pourquoi tu lèves les mains ? C'est bon, hein, c'est pas parce que tu le vois à chaque fois qu'il va t'arrêter. Oui, pardon, c'est un réflexe. Dès que je vois le SPD, c'est pas Donc, moi. Lève les mains. C'est pas moi. C'est pas moi, j'avais un alibi, j'étais pas au cinéma. J'étais au cinéma. Moi, je faisais que regarder. C'est exactement ça. Ah, c'est le meilleur alibi le cinéma. Putain, j'ai oublié cette ref, elle est incroyable. Ah. Genre, levez les mains. Ah, pardon. Non, c'est pas. Mais je me disais, j'ai pas assez de tatouages. Vous en avez plein de partout, là. Ça manque de tatouages. Ça et encore, cher, t'as pas vu la masterpiece. C'est-à-dire dans le dos, c'est un bizarre, grand papillon ça, dans le dos. Ouais, un papillon, ouais. T'as raison. Un grand papillon bleu dans le dos. Ouais, ouais, avec papillon. Une couronne et une belle robe, ouais. Un papillon flétri. Des étoiles de fée. Une fée non. La fée clochette. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, vraiment. C'est une belle fée. Du coup, c'est quoi? Bah tu connais mon rang au sein du club. Une licorne sur la fesse gauche. Oui, non. Exactement, c'est une licorne au sein du club. Et c'est pas sur la fesse. C'est voilà. En fait la licorne est... Enfin bref. Ok. C'est surtout la corne quoi, c'est ça que tu voulais dire.
En fait, j'ai une tête de cheval dessiner ça, et puis là, bah, t'imagines bien la licorne. Oui, j'imagine bien. Ou alors, il y a deux oreilles d'éléphant sur chaque cuisse. Yes. Bon, alors du coup, c'est quoi ? Exactement. Donc, je disais, tu connais mon rang au sein du club. Je suis trésorier. Oui. Je suis le gardien du trésor. Oui. Le pirate. Alors, attention. Wow. Je suis le gardien du trésor. En vrai, ça a du sens. Bien vu. Voilà. C'est un gros poulpe, quoi. Très joli. J'aime pas vraiment tout ce qui est petit poulpe, tu vois. C'est trop petit, tu vois. Enfin, imagine, genre un petit poulpe dessiné sur la main, ça, c'est nul. Autant avoir un gros trésor. Ça sonne, pas très bien, petit poulpe. C'est... Ouais. Non, c'est plus cher les tatouages en fait. Hein. Oui. Et surtout, cher cher des milliers de dollars. Genre, un dans le dos, ça doit être 5000, non ? Même plus ? Non, un peu moins quand même. Ah ouais ? Je suis là. 2500. Et les bras, ils coûtent pas plus cher ? Non. Non, non. Ton tatouage ? Les bras, je sais pas. Oui. Celui du dos ? Je suis des ton bras. Ton tatouage ? Ton tatouage ? Quoi ? Mais c'est pas parce que ton film préféré c'est Pulp Fiction ? Oh putain, bien. Ça sur la scène ça. Pour dire ça au moins. En vrai, oui. Hein. Ouais, il faut aller sur scène là. Non, mais moi je suis dans l'ombre. J'écris pour les grands artistes. Waouh. Oui, ghostwriter. Oh, wow. J'ai écrit pour les plus grands. Ouais. Non, mais c'est compliqué la scène là. J'ai l'impression qu'il n'y a que la Norman qui est sur scène. Genre, c'est. Parce qu'en fait, elle rigole à chaque fois. En fait, le but, c'est de faire une blague. Et le premier qui rigole, il monte sur scène. Je pense qu'elle fait une blague, elle descend de scène et c'est la seule à la rire. Genre, elle monte sur la scène, elle fait une blague, elle descend de scène, elle se regarde, enfin, elle regarde son. Bref, et elle rit et elle remonte. Et elle s'imagine en train de faire sa blague, c'est ça que tu lui dirais. Ouais, elle regarde le replay là. Et c'était peut-être un peu plus simple. Elle regarde le replay. Ouais. Ouais, mais on a. Yes. On a. Yeah. Effectivement, c'est pour ça. Super. Si vous avez tous compris, on est bien. Aïe. Ah, c'est déjà pas mal de rigoler à ces blagues. Oui, c'est plus important. C'est l'autodérision. Tu sais ce que je trouve encore plus pas mal, moi ? C'est qu'ils ont été gentils et ils ont pas monté le son des enceintes et on n'entend pas jusqu'ici. Ah, ça fait plaisir, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on peut boire notre café sans forcément supporter la soirée. Café ? Tu veux du café ? Je l'ai déjà bu, mais... Chocolat ? Thé ? Je veux bien une bière. Cistronade. Ah, c'est meilleur. Une bière chaude ou froide ? Froide. Cistronade, c'est 6 citrons. Elle a dit ça d'un ton tellement froid. Je crois qu'elle a dit tout à l'heure, c'est 6 citronades et t'en as une gratuite. Putain, mais qu'est-ce que tu fous avec 7 citronades dans les mains après ? C'est pas les becs qui disent 6 citronades ? Quoi ? Putain, qu'est-ce que je fous ? Ah, les becs ! Ouais, ok, j'ai compris. C'est pas les bègues qui disaient 6 citronnades ? Non, tu peux se compliquer ça, regarde, tu mets l'eau là, tu Ah merde là, on peut faire des tech paf. C'est les nuls aussi. Tu prends du citron là. Il y a du citron là, il y a du sel. Oui. Bon, cette heure-ci, on va pas trop réfléchir. Hop. Vaut mieux pas. Ta bière froide. Hop là. Faut juste garder le cerveau un peu plus connecté que les gens là-bas et puis c'est ça. Oui, juste garder le cerveau quoi, ça suffit du coup. Ça parlait de tech paf au fond là, si j'étais pas en série, je. Si je prenais ça sur le nez là, hop, allez. Moi je vois pas. Hein. Et au pire, je te sers une tech paf, je te facture un café. Bah voilà. Si tu veux. Putain, j'ai pas eu mon reçu tout à l'heure, t'abuses. Bah oui. Mais c'est bon, j'ai noté. Là, j'essaye de faire des économies de papier. Ouais, pour la planète, tu vois. Écolo de merde. Casse les couilles, les écolos là, leur chie à l'arrêt. Très bien, des motards écolos. En fait, c'est des cyclistes. Ouais. Avec des motos électriques. Oh, voilà. La prochaine fois que tu dis une connerie, je t'en mets une aussi. Ah, mais t'aimes pas les motos électriques, toi ? Non.
Non. Ouais, j'ai compris. L'électrique, c'est de la merde, ok. Ça va, j'ai compris, j'ai compris. Bon, parfait. Wow. Désolé. Bon, on est tous raccord. J'ai vu quelqu'un arriver aussi vite. Ah ouais. Wow. Attends, je m'écarte. Dès que j'ai dit électrique, c'est parti. Je me mets derrière toi. C'est un automatisme, l'électrique, c'est... Ah ouais. Ça me... Je comprends. Ça me... C'est super efficace. J'ai l'impression que vous êtes éloigné de moi, non? Non. J'ai qu'une impression. C'est ta bière qui fait ça. Il y en a un, il est derrière la table. Cœur qu'il était déjà assez loin. Il y en a un qui est derrière le LSPD. Ça va bien se passer, hein. Le chat perché. Le renard perché. Le renard perché. Le renard. D'ailleurs, j'ai toujours un morceau de bois dans mes poches depuis des mois. Ah, bien. Avec un morceau de bois. C'est un renne qui me l'a offert à mon anniversaire. Waouh. Tu gardes tes cadeaux d'anniversaire, tu es donc ce genre de personne? Oui. Wow. Généralement, oui. Pourquoi t'en fous quoi? Je leur vends. Ah yes. Je dirais vous faites la sécurité, là. Non, on est perché. Comme ça, tu peux pas nous tabasser la gueule. Mais je fais ça que aux gens qui disent électrique, Pokémon. Donc c'est bon. Ah. Aiden, il est de quel type, quoi? Pikachu? Non, je rigole, il est en service, fais pas ça. Tu vois Elon Musk? J'allais pas le faire. Bah voilà. C'est un ni oui ni non, sauf que tu dis des trucs. Ni oui ni non. C'est ça. Putain, t'imagines le jeu Pokémon, comment il serait éclaté si on pouvait faire l'option perché. T'arrives à la ligue, ah. On est perché. Bon bah j'ai gagné. En vrai, y a des Pokémon qui font un petit peu ce truc là. Soit ils font tunnel, ah ouais, soit ils font vol, ces bâtards. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. T'en as même, ils ont des capacités spéciales en truc en mode furtif et quand ils arrivent, ils se cassent direct. Putain, tu parles de Abra? Ouais. Abra utilise téléport. Oui, c'est téléport. Ouais, voilà, c'est téléport. C'est mort. Il en a traumatisé du monde. Putain, le Abra niveau 17, là, à la route 15, l'enculé de ses morts, là. Enculé d'Abra. Putain. Si je le retrouve, je le tase. Il met une balle tête à cet enculé. On verra si le SMS, ils arrivent. Et là, on va aller à la Maze Bank Arena, il va y avoir un connard cosplay en abras, je lui balle tête, il va rien comprendre. Il va aller à la première, comme manga. Il va arriver avec la batte, là, comme ça. Là. Il est où, le saint Pokémon? C'est pas à part, moi. Ils sont où ces petits bâtards d'animaux là? Il a une hache plantée dans le crâne. Non mais si tu lui pètes les genoux, il peut plus fuir. Bah c'est vrai ça. Si tu lui pètes les bras, il s'appellera juste A. Qui travaille ici? Kirk, du coup. Faut arranger les problèmes de lumière. Hein. Par contre, ouais, non, assez... mais c'est Naoya, alors... il pédale non, pas. Non, assez. Mais. C'est surtout que bah, c'est un ancien bar à striptease, du coup les petites lumières elles sont bien tamisées. Oui, il pour a compris ça, la blague. Naoya, il a mis des ampoules Wish, non? Ouais. Ouais, ça doit être ça, hein, parce bah, il que... a mis des il doit rien y voir. Voir. Quoi? Pas compris. Attends, mais déjà qu'on n'y voit rien, c'est... Alors lui... Ah oui, ça y est. Yes, oui, oui. Moi aussi je l'ai. Ouais, yes. Je suis pas très fan de celle-ci au final. Ouais, bon. Ouais, comme bon. On a dit à celle-ci, on l'accorde. Ouais. Ouais, tu veux une explication? Ouais. Je veux bien, ouais. En fait, c'est parce que le monsieur est asiatique et du coup, ses yeux sont bridés. Voilà. Du coup, bah, il y voit moins que les autres en termes de rétine. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour ça qu'il y voit rien quand même. Ah non, du coup, pas en termes de non. Rétine. Ah oui, mais il est pas y voit rien. Oui. Yes. Merde. Bon. Moi, j'allais me faire tatouer. Voilà. Tatouer. Oui. Ah oui, ok. Décision prise rapidement, mais... Voilà, c'est le poulpe, ça m'a donné envie. Je vais aller me faire t'as tatouer. T'as une idée ou... Je vais négocier avec le tatoueur. D'accord. De toute façon, il te propose pas mal de trucs, hein, tu regardes, et puis voilà.
Attends, parce que si tu veux des inspirations, j'en ai aussi des tatouages. Vas-y, montre. Il y en a un que tu pourras pas voir ici. J'ai un raid sur le torse. Waouh. Et ça dans le dos. Oh. Très joli. Ah oui, alors d'ailleurs, vu que t'as un t-shirt bleu et un joli cuir, garde de la place sur le torse au cas où, parce que, alors, je sais pas si le tatoueur pourrait te le proposer, mais nous, alors du coup, exception c'est, pour Reynard. C'est torse du parti ce soir, oui. Non mais exception pour Reynard, parce que bah, il avait déjà son reine de tatoué, mais on a tous cette petite moto de tatoué. Ok. Donc si le tatoueur peut te la proposer, bah déjà, c'est bien. S'il peut te la proposer ailleurs, si c'est pas à cet endroit-là, bah, t'essaies de voir, quoi. Ok. Voilà. C'est obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir. Fortement okay. Conseillé, c'est logique, ça. Quoi, c'est une moto, parce que vous faites de la moto, quoi. C'est comme d'avoir un slip et de s'habiller tous les jours, tu vois. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de l'avoir, quoi. De la trottinette. Ouais, ouais, bah oui. Ou pas mais comme. Oh, putain. Alors là, attention, hein. Attention, hein. Comment ça? Attention. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Non mais parce que là, à tout aussi. Moment, ça... Ça décloche. Ça peut partir. Hein. On reste très flex. Attention. Je suis prête. Hein. Ça va partir, Aiden. Ça va partir. Je fais le malin avec mon gilet pare-balles, mais si je me prends une baffe, c'est fini. Faut falloir un casque par gifle. Oui. Oui, c'est bonjour, ça. Je voudrais un casque par gifle, s'il vous plaît. Attends, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah, j'ai ça. Ça va peut-être m'aider. Putain, il y a un poulet. Je suis pas sûr que ça m'aide. C'est Étienne. Ah non, ça aide pas. J'avoue, c'est Étienne. C'est qui? Je connais pas. Tu connais pas Étienne? Pas la ref. Étienne Miller. Paul Naref, tu connais pas non plus? Étienne. Ah, c'est Etienne, lui qui me l'a passé, Etienne. Donc. Bah, tiens-le bien. T'as des casques bien... de vulve. Se revoit très prochainement. Ouais, ça marche. Non, bah, tu nous envoies des quand nouvelles, un truc de vulve. Quand je reviens, je suis métamorphosée. Waouh, wow, ouais. Elle va revenir en. En manteau. En quoi? En lui, je sais pas. Quand t'es un Transformers. Je cherchais encore. Tu vas utiliser une pierre lune ou une pierre foudre? Des pistolets d'électricité. Quelqu'un a dit que les pistolets de tatouage, ils sont alimentés à l'électricité ou pas? Non. Pour lui un message, car. Non, elle va juste mettre une droite au tatoueur, c'est pas grave. Il va faire un gros trait. Alors là, j'ai voulu dessiner la ligne. Elle va me donner une explication éclatée. C'est le fil rouge de ma vie. Là, il est noir. Là, c'est toute mon. Là, tu vois, le début, c'est mon enfance. Et là, c'est la fin de ma vie. Là, c'est quand vois. Ça a dérapé. Là. Et au milieu, quand on arrive au nombril, c'est quand j'ai rejoint le club. Voici toutes mes aspirations. Aïe, 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 aïe. Je bois un truc, nana. Oh, c'était bien ce soir. Il s'est passé des trucs. Oui, hein. Ah, ouais, ouais. Ouais. Bah, tu nous as fait des trucs. Ah, il n'y avait que moi. Non, il n'y avait pas que moi. Non, il n'y avait pas que toi. Ah, mais merci pour l'activité quand même. Oui, bah oui. Bah, désolé d'ailleurs, le Hélion, à mon avis, il avait un coup dans la gueule. Normalement, il va plus vite. Ah. Mais. Tu parles du premier ou du deuxième? J'ai plus. Tu où on a fini dans un mur? Ouais, d'accord, ouais. Non, le premier, ouais. Putain, j'ai failli le piéger, merde. Bébé. Ta gueule. T'as fatigué, Kiki. Pas la violence. Ah, si tu veux une dose de gênance, tu vas là-bas, au petit de la scène. Non, bah c'est pour ça qu'on est là. Hein. Ça fait des blagues de bigard. Oh merde, ah oui, bah oui, bah, on a bien fait de rester là. Mais moins bien raconté quoi. Oui, c'est vrai que bon. Putain, je suis en train de vider le bar, une de ces vidéos. Maîtrise-moi, c'est moi qui fais le rustle. T'as l'habitude de vider le bar, toi. Et là, le mec. Il défouraille. Il paye pas. Et ça, c'est une déchirure. Ouais, non, parce que, là c'est une tendinite, c'est pas une déchirure. C'est quand même, pour moi la meilleure c'est la blague des chiottes de l'avion. Ah, elle est pas mal. Je suis pas très bigard j'avoue.
Elle est incroyable. Ouais. Il a raconté l'autre jour, elle est pas mal. Bah vas-y, hein, maintenant que t'es lancé. Hein. Il est pas très bigard, mais il aimerait bien l'entendre quand même. Ah non. Il me tease une vanne. Tu sais, je la veux, quoi. Dans les avions, les chiottes, elles sont un peu spéciales, tu vois. Ouais, elles sont spéciales. Genre, c'est... t'as pas de flotte, c'est... En fait, t'as un liquide qui coule comme ça, ça, ça décroche tout, on va dire, tu vois. Et puis après, ça aspire d'un coup. Ouais. Et un mec, voyage d'affaires et tout. Parce que le problème du mec, première fois qu'il prend l'avion, et puis il a les couilles qui pendent. Mm-hmm. Il va aux chiottes, ça. Il fait son affaire, tu vois. Et lui, il a l'habitude de tirer à chasse d'eau tant qu'il... pour se laver un peu les bourses. Ah oui. Du coup, bah... Il est dans l'avion, il va aux chiottes, il fait sa commission, tu vois. Grosse, grosse commission, tu vois. Oui, il avait envie le bout. Et puis, il s'essuie, et puis, il tire la chasse d'eau. Et là, les couilles, ils sont aspirées par les chiottes. Le mec, tu vois, il commence à tirer dessus pour les débloquer, tu vois. Il tire dessus, il commence à se mettre debout, il tire dessus. Il les met par-dessus son épaule, il tire, il tire. Il va jusqu'à la cabine du pilote. Et puis, toujours pas débloqué, tu vois. Puis il donne un grand coup d'épaule comme ça. Puis là, ça se débloque. Puis là, t'entends. Fou, 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 fou. C'est pris sur le coin de la gueule, quoi. Ah merde. Le bruit à la fois, il était parfait. Les bruitages et tout. Ah, les bruitages, ils sont fous. Mais c'est vrai qu'il y a un bigard, il met des bruitages. Ouais. Ouais, c'est un reportage sur... un peu le Walt Disney de la LAN. Sur comment les gens ils font rire leur femme. C'est bien résumé, le Walt Disney de la blague. Autrement, si t'as un reportage, comment les gens ils font pour faire jouer leur femme, tu vois. Du coup, les gens bah, ils font leur affaire devant le reporter pour montrer comment ils font. T'as un mec baraqué et tout. Lui, il fait, bah, c'est simple, j'y vais comme un marteau-piqueur, je pilonne, tu vois. Et t'as la meuf, elle hurle, tu vois. Hurle de plaisir. Puis là, un autre, il dit, bah, moi, en fait, j'alterne entre vite et doucement. Tu vois. Sa meuf, tu vois, elle kiffe. Bonne technique, ça. Et le troisième, tu vois, il abaisse, tu vois. Sa femme, elle a rien à foutre, quoi. Le reporter, okay. Il dit, mais votre femme, elle a pris aucun plaisir. Ben non. Mais c'est que quand je me la torche dans les rideaux qui gueule. Putain, mais c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Le mec est payé pour ça. Hein. Mais sur ce, je crois que je vais aller dormir. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Ouais, ouais. Allez, bonne nuit, bonne soirée. Bisous à ta femme. Hein. Et bonne soirée. C'est même pas femme. Allez, salut. Tant mieux. Qu'il est en train de prendre ses jambes à son cou là. Thank you.
Pardon. Elle est impeccable. C'était pas mal ce soir. Il est plutôt calme, mais... pas eu du monde au moins. Et puis voilà. Pour aujourd'hui. Demain, je pense pas qu'on fasse Altica. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, à bientôt.